Hello tout le monde, on se retrouve pour le dernier match du tournoi Alter de Discord francophone. On est actuellement en 2-4, donc on n'a pas de chance de passer à la phase finale, mais on va essayer de finir en 3-4. Donc c'est un mirror match contre une autre Taiga. Donc on va voir ce que j'ai en main. Sanos, Kitsune, Parvati, entraînement à l'invitation, Yongsu et un autre entraînement à l'invitation. Je vais virer le Yongsu, je vais virer le Parvati. Ah, ça m'embête d'en dégager un, mais. Parce que. Je vais en rien. On remarquera que sur les dernières games, il n'y en a pas une seule où j'ai réussi à avoir le baston dans la main de départ, ce qui est quand même assez incroyable. Ok, Inari commune ici. Ah, par contre, je sais pas pourquoi. Le jeu a freeze. Et c'est bon. Ah, bon. On trade. Brevet au sommet réparateur. Je virerai ça pour l'instant. Garde un sommeil réparateur au cas où. Ça va encore être un tour pas incroyable. Hop, je vais poser ça là. Voilà qui est embêtant. En tous les cas, normalement je passe ici. Quoique non, avec Inari il peut me bloquer. Je vais être obligé de jouer ça comme ça. Même si c'est pas incroyable. Parce que du coup il aura pas de boost de TG là. Ok, il pose Inari à côté. Ah, c'est pas bon ça. Il avance des deux côtés, moi j'avance que d'un. Pour le coup, c'est vraiment mauvais. Ça a rentré en plus simple. Alors, juste plus un 0-0 sans rien le booster. Ah, par contre, champignon. On a un champignon. Donc. J'avais un sommeil réparateur. Ok. Donc Cernunnos rare posé ici. Donc, je pourrais poser le mien. Je pourrais poser le mien, mais ça veut dire que j'aurai pas le boost qui arrivera sur le champignon. Ouais, on va faire ça en arrière. Je poserai le champi prochain tour. Allez, on va embêter parce qu'il faut pas mettre le Kitsune pour passer. Il a 0 en forêt et c'est la seule stat qu'il lui faut pour avancer. Il va choisir d'ancrer le Cernunnos. Bah écoutez ce que je vais faire, c'est très simple. Bah, je vais ancrer le mien aussi, hein. Tant qu'à faire. Hop, je pose un Kitsune ici pour passer. J'aurais pu poser le champignon, mais je préfère avoir le boost de Teja dessus. Non, je peux pas faire Figgy Gravy Parvati. J'ai pas assez de mana. Je virais mon sommeil réparateur. C'est peut-être une erreur, mais.
Ouais, je peux plus. Ce que je peux faire, c'est ça. Pas besoin de poser la fille d'Irasé ce tour-ci. Ok. Bon, je pense pas que je passe de ce côté-là. Ce côté-là, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose pour empêcher de passer. Faudrait qu'il joue le pignon plus l'as avec un 4-4-4. Mais bon, franchement, perso, j'aime vraiment pas cette carte. Parce que c'est trop compliqué de l'ancrer, donc... Ah oui, non, c'est un 4-4-4 aussi, bah... Dommage. C'est encore un tour où il va passer à deux. Il va passer des deux côtés et moins que d'un seul. Ah, je dois vous avouer que ça sent le sapin. Ici. Je vais mettre un gros vengeur ici. Je vais taper le boost dessus. Là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaye de s'assurer ce côté-là pour être embêtant ou est-ce qu'il essaye de commit un peu ici? Ça c'est un 3-3-3, j'avais oublié ça. Non, je pourrais juste faire un minus et puis dans une poudre mina. Et puis, nous avons fini d'éraser tout pour le fin. Je vais monter gratos. On va faire ça. Je vais le faire un minus parce que sinon, de toute façon, je vais faire ma réserve. Hop, voilà. Voilà. Et là, on est dans une position plutôt confortable. Ah, Bastion. Bastion Mouna. Ça, c'est... ça, c'est un... parce qu'il peut... il pourrait caler un sommeil quelque part. Quoique, après, c'est pas dramatique, parce que... pas dramatique tant qu'il n'avance pas des deux côtés en même temps. Et je vais jouer sans. On verra bien. De toute façon, je peux poser un kitsune et puis... Ah bah non. Non, ça l'empêchera pas de passer en forêt. Je vais poser le champignon pour m'assurer. Yggdrasil. Je pose le filigrasil ici. Il a un sommeil de compétent. Payons le sous.
Et ça va être gênant parce que je crois que parce qu'il met un 4-4-4, il a 8. Il a 8 et du coup il passe des deux côtés. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour l'empêcher de passer ici? J'ai un 4. Voilà, c'est. Ah, 3 boosts. Ouais, j'aurais pas assez. Non, bah, non, bah c'est perdu. Hein. J'ai une espèce, j'aurais peut-être dû focaliser toutes mes ressources sur ce côté-là. Mais ça aurait pas suffi de toute façon. Je réfléchis, hein, si j'avais pas. Non, bah, je crois bien que. Je crois bien que c'est fini. Hein. Bon bah on aura fini en 2-5, au moins on sera pas dernier du tournoi. C'est toujours ça. Puis on retentera notre chance sûrement à l'Exalt League le mois prochain. Ah. Ah oui. Attendez ça. Ouais. À moins qu'il ait. Bah non, pour un. Non, pour un, il a pas un truc qui a dans l'océan. Ah bah. Un misclé en fait. Ça m'irait pas. Ah, et bah, d'accord. Ok, non, j'ai rien dit. C'était. Ah non, attendez. Ah non. Tiebreaker, du coup. Ok. Bah si, c'était bien misclé, du coup. Et là, pour le coup, j'ai vraiment un bon board. Et lui, sa réserve. Et la tronche de sa réserve. Ah ouais, vraiment pas. Et vraiment pas dans une bonne situation. En plus, vu tout ce que j'ai en main là. Ah, vu tout ce que j'ai en main, ça va être très compliqué pour lui là. Ah, écoutez, j'avoue, je suis surpris parce qu'il avait juste à jouer le Cernunnos s'il avait gagné. Je me voyais vraiment l'avoir perdu celle-là. Mais écoutez, ouais, écoutez, on prend. Je ne vais pas me plaindre. C'est le genre de misplay que en vrai je récupère aussi. Ah, sommeil réparateur, bien. Akitsune, ça serait intéressant de la poser, mais est-ce que pour me faire encore plus de stats, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner une carte? Est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner une carte dans cette situation? Ça fait quand même beaucoup de stats. Hein. Et je vais prendre ce risque. Poser un Kitsune, de toute façon on s'en fout, je le pose et puis ensuite. Non, en vrai, je vais le garder pour la fin. Je vais garder pour la fin, je vais distribuer mes boosts de manière à peu près équitable pour que l'histoire que s'il y a un sommeil qui passe, ce soit pas un drame. Les pignons qui menacent, d'accord. Hop. Tac tac. J'aurais peut-être dû booster le champi plus tôt. Non. Hop. Là, on va mettre un coup sur le champi, un coup sur celle-là. Ok, en dessous. Et je crois bien que c'est gagné. Bien, je l'ai. Bon, c'était. S'il avait pas misplay, c'était 100% perdu. Mais. Je vais pas m'en plaindre, hop. Voilà, pour la forme. Puis voilà. Donc c'est une victoire. On finit donc en 3-4. Donc c'est pas un résultat positif. Enfin, c'est pas positif au niveau du ratio victoire-défaite, mais on s'en rapproche. C'était un résultat plutôt honorable, je trouve. Et donc voilà, donc c'était le tournoi des tickers francophones
d'Altered. C'est la fin pour moi, je ne passerai pas à l'étape suivante, mais en tout cas, c'était très fun. C'était très fun aussi de poster ces games sur YouTube et puis de commenter ces trois dernières. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très sûrement pour d'autres games d'Altered, soit dans la Exalt League, soit en Ranked, quand elle sera disponible sur les serveurs live. Du coup, je vous dis à plus. Ciao!